je m'appelle Martin Petit, je suis ingénieur de recherche en électrochimie à IFP Energies Nouvelles. Et donc je travaille dans cette entreprise depuis 2012. Et je travaille sur la modélisation et la caractérisation des batteries lithium-ion. Donc IFP Energies est un organisme de recherche qui est spécialisé dans tout ce qui concerne les transports. Et donc on collabore depuis plus de 10 ans avec Siemens PLM. Software pour notamment le développement de librairies métiers telles que IFP Exhaust, IFP Drive, IFP Engine. Et donc depuis 2012, on collabore sur le développement d'une librairie consacrée au système de stockage électrique, donc notamment la librairie Electrical Storage. Mais l'électrification des véhicules, notamment dans l'application automobile, est une tendance très forte car on a besoin de réduire les émissions de CO2 pour les moteurs et les véhicules. Dans ce contexte, le développement de compétences dans le domaine de l'électrification et notamment du système de stockage d'électricité est vraiment très attendu par les acteurs du marché. Et donc c'est pour ça que la librairie Electrical Storage permet de fournir de nombreuses informations et des modèles très précis qui permettront de développer en fait des systèmes de transmission moins énergivores et donc qui produiront moins de CO2. Donc l'intérêt de travailler avec Siemens PLM Software, c'est d'avoir avoir un logiciel qui possède de nombreuses librairies métiers différentes et donc pouvoir travailler sur des systèmes très complexes avec chaque fois une librairie associée à ce système. Ainsi, si on veut développer un simulateur de véhicule électrique, il est possible de faire appel donc, à l'équipe électrochimie pour faire le modèle de la batterie, à l'équipe machine électrique pour le modèle de la machine électrique, et à l'équipe de contrôle pour faire le système électronique de contrôle. Et ainsi, on peut ensuite combiner les différentes compétences dans un modèle complet qui pourra être utilisé par une personne qui n'a pas forcément toutes les compétences, mais qui pourra se concentrer sur la problématique qui le concerne et avoir un modèle qui soit validé par toutes les équipes différentes de la chaîne de conception. Alors nous, on va avoir l'apport de l'expertise sur l'électrochimie. C'est vraiment notre cœur de métier, l'expertise en caractérisation, parce qu'on va pouvoir caractériser donc les batteries lithium-ion, c'est des éléments qui sont en multi-échelle. On va commencer de l'échelle microscopique avec les matériaux, les assembler en cellules, puis les modules et les packs, qui peuvent être de manière très, très importante en taille. Et donc nous, on va avoir une expertise à chaque niveau de ces éléments. Donc d'un côté, on va avoir des expertises au niveau microscopique, l'analyse des matériaux, l'analyse électrique et thermique des cellules, et faire des tests aussi au niveau expérimental sur des modules et des packs complets de batterie. Cette expertise-là est apportée pour le développement de la librairie Electrical Storage. Et nous, on va pouvoir apporter donc, des solutions pour faire des modèles qui soient représentatifs de systèmes réels, basés sur des données qui ont été obtenues sur les bancs d'essai à IFPEN. Et en parallèle, Siemens PLM Software va pouvoir nous apporter son expertise sur le développement d'un logiciel métier bien adapté aux demandes de leurs clients.